je déteste les premiers rendez-vous. En théorie, il devrait permettre à deux inconnus de mieux se connaître. Ce qui ne serait d'ailleurs pas si bête si les deux individus en question ne s'employaient pas à donner d'eux-mêmes une image idéale, c'est-à-dire complètement fausse. En fait, il n'y a vraiment qu'une seule façon de savoir immédiatement qui on a en face de soi, c'est le test du supermarché. Prenez cette femme, par exemple. À première vue, on ne peut pas savoir grand-chose d'elle. Mais en regardant ce qu'elle vient d'acheter, on devine qu'elle est mariée, pas franchement heureuse, et qu'elle envisage d'aller voir ailleurs. Vous voyez, c'est facile. C'est même la façon la plus simple de découvrir que derrière cette jeune femme apparemment épanouie, se cache en fait une célibataire endurcie et légèrement maniaque. Ou que ce jeune homme si propre sur lui est en réalité un serial killer. Non, décidément, je redoute ce dîner qui promet d'être, je le sens, un grand moment d'hypocrisie et de platitude. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux pas qu'on aille directement chez toi ?